Solide sur sa loupe de base, en place, cherchant son extase. Il se concentrait avec Caillou, et quand finalement il trouva dans les replis de sa concertation, il s'aperçut qu'il devenait étincelant et lanceur d'éclairs. Alors il changea de nom, il s'appela Cristal. Mais à son tour, ayant exploré toutes les jouissances des éclats et d'intouchables aiguilles, le cristal s'emplit d'un désir nouveau, une chose inconnue qui le dépasserait. Le cristal, lui aussi, se mit à rêver. Lui qui était dans une noblesse et une pureté jamais égalées, lui si solennel, droit et dur. Il rêva de tendresse, de souplesse et de fragilité, sans savoir ce que cela pouvait être. Et c'est ainsi qu'apparut la fleur.